umunyeshure ndi turi metorore kijambere turi metorore kijambere turi metorore kijambere ubizumwe Le programme DIAP-FS par FAO, c'est un programme qui favorise d'augmenter la production, de lutter contre l'érosion, de combattre contre la dégradation des sols. Donc l'air fumier qu'ils installent dans leurs champs reste là, mais auparavant, quand ils mettaient du fumier dans les champs, ce fumier descendait avec l'érosion dans la rivière ou Vironza que vous voyez si proche. Et ces membres CEP, actuellement, ils sont courageux, ils sont fiers que le projet est venu à temps. Ici, nous sommes en commune Nyabihanga, zone Monago. Sur la colline Kibogoye où le projet IAP-FS a pu réaliser des différentes activités qui concernent la protection de l'environnement sur ces différentes collines. Ici nous sommes sur la colline Kibogoye où ce projet a pu planter des milliers d'arbres d'eucalyptus. Banzaniye aba bantu bononye rino shamba kandi ndabona koko babyononye barabipanga n'ibindi bikoresho shamba rero dufitiye akamaro kanini cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi kirazira kikaziririzwa konona rino shamba gihugu nagoma ndabatekerere impanuro nimuzosubire kandi konona rino shamba gihugu ahubwo nimwe mukure kurikingira Mariye mubwira abandi bose ko tukwiye kubahiriza ibintu shamba kino biti niyo mpano ndabahaye Jewe nkuko bisanzwe ndi ngaha ku mirimo wa misi yose twebwe twarakoze ibikorwa twigishijwe n'umugambi wa IAP-FS uwo mugambi waratwigishije kurima kijambere tukamenya kurima igiterwa c'ibiharage batwigishije ingene dutandukanya kuva ku ibango kuja kurindi ingene ari santimetero 20 kuva ku ibango uja kuva ku murongo uja ku wundi ni santimetero 40 tumaze gukoresha iyo nyigisho y'uwo mugambi wa IAP-FS warabonye yuko twimbura kuruta uko twahora kera tutararuhiye iyo nyigisho Ubu rero turimbura neza tukimbura byinshi kandi tugafungura tukongera tugashora mu ndimo zacu kandi turarima n'ibindi bitegwa tugatera ibiraya tugatera imyumbati tugatera ibiti bibana n'indimo tugatera ubwatsi bw'ibitungwa ku mikobeko kandi ibitungwa byacu bigatera bimererwa neza nkuko mubibona turiko turasibura imikobeko isibuye umukobeko yatuma inkukura igabanuka harya amazi yateze mu muferege
gutuma acha manuka buhoro buhoro aciye mu kuzimu akaja kugwiza amazi mu masoko hariya mu myoko. Ibyo biratuma kandi bya biterwa biba byateye mu ndimo ntibitwagwa, umwimbu uriyongera, abana n'imiryango ndetse n'igihugu cyose ibyo dufungura turaheza tugashora no mu isoko tukaronka amafaranga tujya kuvuga, bituma indwara zibyaduka biturutse ku gufungura nabi zihera za kwashi n'izindi. Turashima ko atabigwabi batabana abana baraje ku mashure kandi muri make twarateye imbere. Nous sommes la colline Mugitega où se trouve un chat école producteur. Et dans ce groupe, dans ce chat école producteur, on trouve les gens qui utilisent des foyers améliorés. Et aux environnants, il y a les autres qui n'utilisent pas les foyers améliorés. Nous allons voir comment ils utilisent les deux à la fois. Ah, vous voyez, les femmes qui utilisent des foyers améliorés, elles se rendent visite chez les voisins pour voir comment ils utilisent des foyers. Mais vous voyez que cette femme utilise de l'ancien foyer local. Foyer qui demande beaucoup de bois de chauffage. Aussi, ça produit aussi des fumées qui détruisent l'environnement, qui détruisent l'environnement et la santé humaine. Elle leur demande qu'il faut aller ensemble pour étudier à ce qui concerne les foyers améliorés. Oui, vous voyez, elles sont rendues visite chez un facilitateur. Et le facilitateur explique encore. Les femmes qui utilisent des foyers améliorés, qui sont présents ici, la qualité, l'utilisation des foyers améliorés. Vous voyez, le facilitateur leur explique comment on fabrique des foyers améliorés, que les foyers améliorés sont fabriqués à partir des matières localement qui se trouvent. Ici, on utilise le sable, l'argile, les briquets. Elle est beaucoup étonnante qu'on utilise avec un bois de chauffage, alors que chez elle, qu'il utilise beaucoup plusieurs bois de chauffage à la fois. Les femmes qui utilisent l'ancien foyer, elles sont beaucoup étonnantes et demandent comment on utilise. Comment utiliser avec ces foyers améliorés? Les femmes trouvent un cadeau des foyers améliorés et elles remercient très vivement avec ces femmes qui les trouvent beaucoup et qui les trouvent un foyer amélioré
avec beaucoup de qualités qu'on utilise, paix de bois de chauffage, qui à leur tour protège l'environnement. Je crois qu'il y a eu un changement par rapport auparavant. L'érosion s'est arrêtée, la vie des populations s'est améliorée et actuellement ils sont de bonne vie. Et si même on voit sur les collines, on voit que la végétation est bonne. La végétation est bonne. Kerebuka munyeshure ndimo, ndimekorore kijambere.